Toujours dans cette séquence de chaleur au Québec, en ce vendredi 2 août, des avertissements de chaleur sont émis pour le sud et le centre de la province. Aujourd'hui, les températures maximales sont prévues à plus de 30 degrés là, pour la majorité de ces secteurs. Et à ça, eh bien, on ajoute également l'effet de l'humidité qui apporte justement un sentiment un petit peu inconfortable avec cette chaleur, avec le ressenti qui pourrait dépasser les 40 aujourd'hui, surtout dans le sud de la province. Maintenant, si on se demande jusqu'à quand va perdurer cette humidité, eh bien, si on regarde un peu l'évolution, là, ça devrait durer jusqu'à dimanche, du moins pour la majorité des secteurs, avant que finalement un système et donc un front là, vienne retirer cette humidité et apporter une masse d'air un peu plus sec à l'arrière. Mais donc, d'ici là, les températures également durant la nuit là, qui se maintiendront à près de 20 degrés. Et donc, encore une séquence un peu difficile à supporter pour les prochains jours.